Je vais vous montrer dans AccuGuide comment superposer l'image digitale d'un modèle en plâtre par-dessus l'image d'un scanner. Je suis dans U-Treat, je vais dans Importer les images, et j'ai deux types d'images que je peux importer pour superposer une image sur un scanner. Un deuxième scanner, ou une image au format STL, qui a été digitalisée au laboratoire, par exemple sur un modèle en plâtre, ou une image qui nous vient aussi d'une caméra digitale que nous utilisons aussi en bouche pour ça. Je clique, je choisis mon image, dans le dossier du patient j'ai les DICOM et j'ai aussi l'image du modèle en plâtre. Je l'ouvre et je vais mettre la position du modèle en plâtre d'un côté et de l'autre côté la position du modèle digital en 3D que nous avons réalisé, de manière à superposer les mêmes points de part et d'autre. Je fais un point sur la canine, un point sur la prémolaire, un point sur la molaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Canine, prémolaire, molaire. Je vais de l'autre côté et je vais faire la même chose sur deux ou trois dents. Il faut que j'ai entre 4 et 6 points fixes de manière à pouvoir superposer correctement les images. La molaire et la canine. Je vais calculer l'enregistrement. L'enregistrement calcule la superposition qui va nous permettre de donner une image de qualité sur laquelle nous allons pouvoir dessiner un guide chirurgical. Voilà l'image qui a été calculée. Nous avons la superposition qui apparaît là. Nous validons. Et pour vérifier si nous validons, si cela se passe bien, je vais dans UPlan. Je vais dans les reconstructions orthogonales, et dans les reconstructions orthogonales, je regarde si ma superposition du modèle en plâtre, c'est la ligne que nous voyons là, se superpose bien sur la surface occlusale des dents. Dans ce cas-là, c'est parfait, on a une très bonne superposition, ça veut dire que je peux accepter cette superposition pour le dessin d'un modèle en plâtre.